Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va transformer, enfin arranger un petit peu le planeur que j'ai acheté hier à Action. Parce que bon, bah là il est un peu tristouné. Je vous l'avais présenté hein, hier, donc voilà. Donc vous voyez, bon, il est un peu triste. Donc on va refaire les intercalaires et puis on va le décorer un petit peu sur le côté dans les petites pochettes. Bon, pour l'instant je ne touche pas aux feuilles à l'intérieur. Les feuilles je vais les laisser telles quelles puisque là bon c'est juste un agenda tout simple hein, comme ceci. Voilà. Ça, je le décorerai au fur et à mesure que je l'utiliserai. Mais là, j'ai envie de changer donc les intercalaires déjà. Et puis de le décorer un petit peu dans les pochettes pour lui donner un petit peu de gaieté. Voilà. Alors, pour ça, je vais déjà récupérer les intercalaires. Alors, dans la semaine, j'essaierai d'aller à Action, voir s'il y en a encore, parce qu'ils vendent des kits de stickers pour planeurs. Donc, j'irai voir s'il y en a encore, parce que bah, ça me servira en même temps. Il faut que je... Alors, je vais regarder déjà par rapport à la taille, dans quel sens je peux... on va voir. Allez, je vous bascule pour que vous voyez mieux ce que je fais et on se retrouve tout de suite. Alors là, j'aime bien parce qu'il y a des petites images comme ça que je peux utiliser pour mettre dans les petites pochettes. Donc ça, ça me plaît bien. Alors, je vais regarder pour mes intercalaires. J'aime bien ce fleuri ici. Ah non. Vous voyez, des petits trucs comme ça, j'aime bien. J'aime bien celui-là. Vous voyez, j'aime bien celui-ci. Je pense que je pourrais faire les trois, enfin, ou en faire deux. Voilà, je vais peut-être en faire deux. Et celui du milieu, je vais le faire autrement. Ou trois différents. Voilà, on va déjà en faire un. Alors, pour ça, je vais prendre ceci. Mais avant, voilà, un crayon. Et je vais faire le contour au crayon. Alors, je regarde que je suis bien centrée pour que vous voyez bien. Voilà. Voilà, voilà le premier, donc on va le couper. Le reste, je vais le faire à la main.
Voilà, le premier. Donc, ce qu'il faut, c'est que je marque les ronds pour le perforer. Alors, est-ce que je le plastifie ou pas? Je cherche, je réfléchis. Je peux le plastifier pour que ce soit plus joli. Dans ce cas, je peux rajouter les choses avant de le plastifier. Alors, je vais mettre ma plastifieuse à chauffer. Voilà. C'est ma plastifieuse d'action. Hein. Elle va bien. Un moment je l'ai, bon, enfin là ça fait un moment je m'en suis pas servi non plus. Oh, excusez moi je vous ai fait bouger. Allez, on la met en route pendant qu'elle chauffe. Voilà. Et je vais regarder. Alors, ce qui m'embête toujours sur les trucs d'action, c'est toujours écrit en anglais. Donc, c'est toujours embêtant. Donc, je cherche toujours ce que je vais mettre. Donc ça, je vais le coller pour pas que ça bouge. Bon, là, j'ai pas besoin de mettre A. Ah, j'ai peur. Je croyais que ma plastifieuse n'avait plus, mais je sais pas. Je l'ai arrêtée par mes gardes. Je fais pour me mettre bien droite, hein, surtout. Voilà. Donc, pendant que la plastifieuse chauffe, je vais choisir ma feuille pour la deuxième intercalaire. Ce que je peux faire, je peux la faire dans l'autre sens, dans ce sens-là. Alors, la deuxième, donc celle-là est faite. La deuxième, la voici.
Voilà. Le deuxième est fait. Donc, on va... Comme c'est chaud maintenant, on va plastifier donc la première. Il faudrait que j'en mette deux d'un coup pour ne pas perdre de la feuille. Je vais regarder si c'est bon, si on en met deux d'un coup. Oui, donc on va finir la deuxième avant. Donc on va lui mettre une petite image aussi. Donc un petit bout de double face pour pas que ça bouge. Voilà. Alors, ce qui est embêtant, enfin, c'est pas embêtant, c'est que j'aurais voulu tout de suite écrire là, mais j'ai pas d'alphabet, de petit alphabet. Ou alors, il faut que j'écris à la main. Mais c'est pour ça, je vais voir, je vais attendre les stickers. Je vais plastifier et avec les stickers que j'achèterai à Action. Ça ira très bien. Donc là, on va plastifier déjà les deux premières. Voilà, c'est parti. Donc là, je vais prendre mon vieux petit tapis pour pas abîmer celui-là, puisque vous vous rappelez, celui-là c'est le nouveau. Et on va couper le plastique en trop. Les angles au petit ciseau. Voilà. Donc vous voyez, ça fait une petite différence. Le papier est là, mais comme... Donc, il faut bien que je me mets quand même à ras pour noter les ronds, enfin les ronds, les trous. Alors, ma petite perfo.
Voilà, j'enlève le plastique pour au moins bien voir où je vais perforer. J'ai pas de perfo 6 trous, hein, j'ai qu'une perfo comme ça, un trou ou une perfo 2 trous, mais là 2 trous ne peut pas aller là. Je risque de ne pas être assez précise. Voilà. Je vais vérifier que ça rentre bien. Voilà. Et nickel. Donc il me restera à mettre une petite étiquette là. Voilà. Donc on va faire les autres. C'est pas des planeurs très larges, hein, donc on va pas pouvoir mettre énormément de choses dedans comme dans certains planeurs, mais bon, on peut déjà faire quelque chose de beau avec. Et maintenant les petits ronds, donc pareil, je me centre bien. Voilà le deuxième. Donc on va pouvoir rajouter à l'agenda. Voilà. Et maintenant on va faire le troisième qui n'est pas encore fait du tout. Alors, le troisième, que j'avais dit, on laisse, on ferait dans le papier, mais dans l'autre sens, du coup, on le refait dans ce sens-là. Alors, que je ne me trompe pas, si je veux le faire dans ce sens-là, parce que les roses sont là. Bête, je me suis trompée. Bon, mais il faut que je refais. Regardez, les filles, j'ai fait la même. Bon, allez, ça y est, celle-là, je vais la garder. Hein, elle pourra me servir. Ah, zut, est-ce que j'ai encore du papier? Oui, ah, je suis bête. J'ai même pas fait gaffe, vous voyez, je vous parlais. J'ai même pas capté que je me suis trompée. Ah zut, de zut, de zut. Alors j'ai usé une feuille de complète de papier plastifié en plus. Bon. C'est pas grave. Ah oui, non, c'est dans ce sens-là, une fleur. Donc dans ce sens là je ne peux plus. Bon là faut que je trouve, je cherche une autre, je choisisse une autre. Alors qu'est-ce qu'on va mettre? Ah que je suis bête, 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 bête. Ah bah si, j'en ai une deuxième. Hop. C'est vrai, ils sont toujours en double.
là là. Allez, on recommence. Bon, de toute façon, il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe jamais, hein. Celle-ci ne me sert plus non plus pour l'instant. Ah si, pour les trous. Oh là là. Je vous dis, hein, ça va pas ce soir. Hein. Il est plus là. Oh, il est 17h20. Nous sommes dimanche. Bon, c'est rare que le dimanche, à cette heure-ci, je vous fais une vidéo déjà. Et que je fais une petite créa. Et là, bon, j'avais envie. Après, je vais regarder, parce que j'ai plein de choses là-dedans. C'est tout des... Vous voyez, toutes les choses que j'avais sur mes anciens planeurs que j'ai gardés. Voilà. Des petites choses comme ça. Bon, ça, c'est ce que j'avais fait moi-même. Et voilà, j'ai pas surveillé, la feuille est tombée à terre. Hop, viens là. Donc il y en a qu'on m'avait offert, il y en a que j'ai fait, voilà, vous voyez. Ça on me l'avait donné. Allez, on va regarder après. Je vais les remettre dans la boîte pour l'instant. Bon, je peux pas en mettre des trop épais parce que comme j'ai dit le planeur n'est pas très grand, donc allez, on coupe, on se remet à couper. J'ai la chanson dans la tête, hein, mais j'arrive pas à sortir les paroles. Voilà. Donc, comme ça. 1, 2, 3. Voilà. Donc il me restera à mettre des petits stickers pour dire ce que c'est. Il faudra que je vous dise, j'aille voir à Action s'ils les ont encore. Sinon je recommanderai ailleurs, c'est pas un problème. Ici je ferai une page shaker. Je la ferai cette semaine. Je vous montrerai. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on avait comme petit message qui irait dans la petite pochette là? Là, j'en ai d'autres. Oh.
regarder ce que ça donne. Le love est déjà mieux. Je vais juste couper un petit peu en bas. Voilà, comme ça. Ça va pas. Et là, si je veux le mettre là, ça va pas non plus parce que vous voyez, si je veux faire les trois trous, ben le troisième ne va pas aller. Ça m'embête. Essayer. Ah non, bouge pas. Voilà, le troisième, il va pas bien. Bon. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que j'ai les mains qui tremblent maintenant? Et celui-là, il ne va pas. Bon, voilà, on va regarder. Voilà. Donc, il faut que je fasse un tout petit zigouigoui, là, sur le coin, pour que ça rentre. Voilà. Je pense que ça devrait aller. Un petit zigouigoui. Voilà. Voilà. J'ai fait mon petit zigouigoui. Bon, il commence déjà à avoir un peu plus de gaieté. Oh, pourquoi ça bouge?
là. Bon. Donc je dis pas des trop. Il est trop gros. Je me tâte hein. Pour l'instant, je regarde, j'essaye de voir. Bon, ça non, c'est trop gros. Ça aussi, c'est Noël. Trop gros, trop gros. Non. Ça. Appareil photo. Ça non plus, ça non plus. Non plus. J'ai un deuxième appareil photo là, mais bon. Bon, je pense que ça va aller. Et déjà, c'est bien. Alors, je cherche des petites... Voilà. Et je ferai ma page shaker encore. Voilà, donc mon petit cœur. Je vais refaire des choses comme ça. En ce moment, j'ai une perte de mémoire incroyable. Je ne sais pas pourquoi. Mais... Bon. Voilà. Bon, celui-là, je vais le réparer. Et là, alors, je cherche... J'avais une phrase tout à l'heure. Mais bon, ça y est, je vais la retrouver, que je voulais mettre. Non. Le problème, c'est que voilà, c'est des phrases en anglais. Et comme je disais, ben moi, je les... Je ne les sais pas tout. Je connais un petit peu l'anglais, mais pas tout. Hein.
Voilà. Donc voilà. Pour l'instant, comment il est. Il y aura peut-être encore des rajouts, des changements. On verra. Donc, je vais faire une page shaker. Donc, je vous la montrerai. Voilà, donc les nouvelles intercalaires. Donc, auxquelles je vais rajouter le petit stickers. Voilà. Donc là, c'est tout ce qui est agenda. Hein. Il y a même... Alors, j'aime bien, c'est parce qu'il y a les annuels. Alors, j'ai l'annuel... Je vous montre. 2021, 2022, 2023, 2024. Donc, vous voyez, j'ai le temps de voir venir. Et après, voilà. Donc, après, j'aurai pour les notes. Ici. Et les to-do list. Il me reste à lui mettre un petit stylo. Donc, petit stylo que j'ai normalement ici. J'avais des stylos de planeur dans mon tiroir. Que je vais lui mettre comme un stylo. Je ferai un stylo qui fonctionne bien. Hein. Si possible. J'avais celui-là. J'adore. Mais bon, je ne sais pas s'il va encore. Un petit bout de papier. Ça, c'est autre chose. Encore. Alors, on va peut-être lui mettre lui. On va voir si ça rentre. C'est un peu grand. Il est un peu grand. Enfin, le trou est un peu grand. Dommage. Alors, on va mettre autre chose. Un petit lapin, non? Que je mette, c'est ça, des sticky notes. Alors, j'ai cela aussi, c'est pareil, je crois que c'est des actions, cela. Oh, ah, peut-être celui-là. On va regarder s'il marche. Il fonctionne. Et là, par contre, c'est le stylo qui est trop gros. Bon. On va trouver. Hein. Ce n'est pas les stylos qui manquent. Sinon, j'en mettrai un plus tard. Mais bon. Voilà. Mais celui-là est écrit en rose. Je crois. Il n'écrit plus. Il n'écrit plus. Orange. Bleu. Ah, il y avait cela aussi de chez Action. Ben, il va. Est-ce qu'il rentre? Super. Bon. Voilà, celui-là, il va. Bon, il est vert, c'est dommage. Mais là, pour l'instant, je ne peux pas faire mieux. On verra plus tard. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, voilà ce qu'on ça me fait pour l'instant. Voilà déjà pour l'instant. Donc, il est déjà un peu plus joli. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Cette semaine, je vous fais la page shaker. Hein, donc, comme ça, le shaker sera sur la première page. Je vais peut-être ajouter des petites choses. Je vais voir.
Puis si vous, vous avez des idées, si vous, vous l'avez acheté puis que vous avez fait des choses, bah dites-le moi aussi, hein, ça, j'aimerais bien savoir. Et puis voilà. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour. J'espère que ça vous a plu.